retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on continue cartonnage. La commode, voilà. Donc elle avance doucement. Enfin j'ai commencé à reprendre. J'ai reçu les tissus. Alors, le bleu clair, je n'ai pu avoir que ce coupon. Voilà. C'était rupture de stock. Donc, je vais m'arranger avec ce morceau. Et de toute façon, j'ai, voilà, ici. Donc, ça, c'est le noir. Et j'ai un bleu, un autre bleu, voilà, vous voyez. Donc, je ferai des parties avec cet autre bleu. J'ai repris un morceau en plus pour être sûre de ne pas retomber en panne. Je vais faire d'autres parties avec ce bleu-là qui ira très bien avec le clair. Voilà. En même temps, hier, on a dû aller sur Vin of Dusk, notre première sortie à deux depuis plus de 2 mois. En même temps, ça a fait du bien. Et du coup, j'en ai profité pour aller à Cultura, voilà, pour reprendre du carton. Parce que là, c'est pareil, au niveau du carton, j'aurais pas eu assez. Voilà. Avec les chutes, ça va, les chutes, j'en ai pas mal pour faire toutes les petites parties, c'est bon. Mais comme il me faut encore des grandes... les grandes parties, là j'aurais eu un souci. Voilà. Alors en sachant que moi d'habitude je commande à l'éclat de verre et que Cultura est beaucoup plus cher. Voilà. Les plaques sont plus petites déjà. Et elles font. Alors c'est que à l'éclat de verre, je ne saurais plus vous dire, mais je sais qu'elles sont un peu plus grandes. Et ici, c'est des... Ah, il n'y a pas la taille. Il n'y a pas la taille. Alors, attendez. Je sais que d'un côté, c'est 80. Je crois que c'est 80 sur 60. Non, 80... Alors là, c'est 50. 50. On va faire ça à vue de nez. 50... sur 65, ouais, 50 sur 65 à peu près, à vue de nez. Et moi, normalement, les plaques que j'achète, c'est des 60-80, je crois, d'habitude. Et je les paye environ dans les 2-3 euros, voilà. Plus vers les 3 euros. Et là, donc, elle est plus petite. Et à Cultura, c'est 4,29 €. Donc, mais bon, il m'en fallait. Donc, j'ai pas pu faire autrement que d'en prendre. Et il me fallait une autre épaisseur, mais là, il n'en avait pas. Là, c'est du 2 mm. Il me fallait également du 3 mm pour autre chose. Et ils n'en avaient pas. Bon, tant pis. Si, sinon ils en avaient, mais alors des très 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 grandes plaques là par contre, mais alors à un prix, c'était presque 17 euros la plaque. J'ai dit non, là c'est même pas la peine, je vais pas prendre une plaque à 17 euros. C'était des plaques qui faisaient à mettre sur 60 je crois. Et là, presque 17 euros la plaque de carton, non. Donc voilà. Ici, alors je vous montre. Bon, la plaque du dessus n'est pas collée, hein, mais ça vous donne une idée. Voilà. Bon, là, c'est pour garder droite les étagères des tiroirs. Donc voilà, j'ai juste posé, hein, elle n'est pas collée, rien du tout. Donc ça, c'est la plaque du dessus. Qui va faire l'emplacement avec le couvercle. Voilà. Donc là, je suis en train de faire le petit côté ici. Hop, là.
Donc quand j'ai fini ça, après il faudra que je voie pour attaquer le couvercle, mais il faudra que je mette d'abord le tissu extérieur. Faut que je calcule, faut que je vois. Puisque là, c'est pas du tout une commode que j'ai l'habitude de faire, puisque comme je vous ai expliqué, elle est entièrement sur mesure. Donc il faut que je prenne tout pièce par pièce. Donc ça me prend plus de temps. Mais bon, il n'y a pas de problème. Là, bon, ici, pendant vendredi, samedi, dimanche, bon, j'ai un peu moins de temps puisqu'il y a le fils à mon mari qui est là. Il est venu passer 2-3 jours avec nous. Donc je vais être un peu moins dans ma pièce. Là, je profite un peu parce que bon, ils sont en train de regarder un film à la télé. Donc je profite un petit peu d'être ici en haut pour avancer un peu sur la commode. Donc voilà. Je vais continuer un petit peu. Donc je vais continuer l'intérieur des petits tiroirs aujourd'hui. Ensuite, bon, je pense que le temps me donnera pas la possibilité de faire plus aujourd'hui. Mais bon, ça avancera déjà le schmilblick. Allez, je vous bascule un petit peu pour que vous voyez plus sur la table et on attaque. À tout de suite. Bon, voilà. Bon, pour l'instant, le bleu un peu plus foncé, on va le mettre de côté. Là, j'avais une chute. Je regardais si ma chute pouvait aller parce que bon, bah, j'essaye d'utiliser les chutes aussi, hein. Oui, je pense que la chute ira pour celui-là. Donc, c'est bon. Celle-là, non. C'est dommage qu'il n'y a plus... qui était en rupture. Mais bon. Et là, c'est une boutique qui achète des fonds de... Ben, les fonds de boutique. Et donc, ben, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc c'est bien dommage. On va faire comme ça. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu, je remontre hein, la colle parce qu'à chaque fois vous me le demandez. Donc j'utilise cette colle là, hein, la Cléopâtre, la vinylique blanche. Voilà, aussi bien pour le carton que pour le tissu. Maintenant je vous le remontre à chaque fois parce que souvent on me le demande. Allez. Hier, en revenant de Villeneuve-d'Ascq, parce que moi, j'ai une action. Donc, j'y vais toujours pas, hein, malgré que c'est ouvert. On est passé devant, puisque pour aller chez moi, on passe devant. Puisque c'est pas loin, hein, c'est à 500 mètres, enfin un petit peu plus, bon, 1 km. Oh, y avait une queue. Ça me conforte l'idée de ne pas y aller maintenant. Pourtant, j'aurais besoin de choses, mais là, niette. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez déjà été à Action depuis la réouverture des magasins. Dites-le-moi, tiens, en commentaire. Moi, pas question que j'y aille maintenant.
En plus, quand j'ai vu les gens sortir aussi quand je fais mes courses, puisqu'il est sur le parking du supermarché, quand je vois les gens ressortir avec leur sac, oh mon Dieu! J'ai pu voir beaucoup sur internet, enfin sur Facebook, tout ça, que les rayons ont été dévalisés, surtout les loisirs créatifs. Donc, faire la queue pendant une heure et puis arriver dans un rayon où il n'y aura plus rien, ça ne sert à rien. Pourtant, je voudrais bien parce qu'il y a les nouveaux dyes, tout ça, les choses comme ça. Mais bon, tant pis, hein. On ratera les nouveautés, mais bon, c'est pas un problème. C'est pas une nécessité pour le moment. De toute façon, là, pour l'instant, même hier à Cultura, bon là, il n'y avait personne à Cultura. Il y avait quoi, peut-être 10-15 personnes dans le magasin, c'est tout. Donc, ça allait. Mais je suis juste allée au rayon, il y avait les cartons et c'est tout. Je n'ai même pas regardé le rayon de loisirs créatifs, rien. Juste, c'était là où ça m'intéressait. Bon, c'est rare hein, chez moi, mais bon, là, pour l'instant. Hop. Pas besoin. Je mets mes petites pinces pour serrer. Voilà, ça c'est bon. Mettre le petit plancher. Voilà, du coup, comme hier on n'était pas là, j'ai pas eu le temps encore de mettre en peinture les boutons pour la commode, les petites poignées. Je vais faire ça ce week-end. De toute façon, bon, là j'ai pas besoin de les poser encore maintenant. Hein.
Allez. J'entends Chouchou qui se dispute avec les toutous. Voilà, la semaine prochaine, je vais pouvoir refilmer un petit peu, refilmer mon mari un peu avec son diamond planting. Là, il avance pas mal. Donc, je pourrais vous montrer où il en est. Pour le diamond planting, bon, j'ai toujours pas reçu le kit pour le concours, donc j'attends. C'est très long. Ça m'énerve. Puis je pense que vous êtes impatiente aussi de voir celui que j'ai choisi pour vous. Bon, j'espère qu'il vous plaira, c'est surtout ça. Voilà le deuxième côté, le dessus, deuxième côté, n'importe quoi. Oups. Alors. Ah, je suis bête. Non, il ne fallait pas que je mette de ce côté-là tout de suite. J'ai oublié de mettre le fond. Et je fais des bêtises. Je papote. Puis après, je fais des bêtises. Donc, je reviens sur le fil si c'est bon. Ouais. Ah, je vous jure. Hein. Ça va. C'était pas encore collé. Bon, de toute façon, j'aurais su glisser le fond quand même. Hein, mais bon, ça aurait été juste un tout petit peu plus compliqué. Voilà. Je ne sais pas combien elle va peser, celle-ci de commode, mais je pense qu'elle va faire son poids. Voilà. Allez, on va mettre un peu de colle du coup. Dessus.
Voilà. Voilà encore un carré de fée. Je vous montre. Yeah. Voilà, il me reste un carré à faire. Donc là, il me faut deux côtés et un fond. Puisque le dessus, c'est pas la peine. Ce sera mieux. Voilà, j'ai pris dans les chutes pour pas user une plaque. Je vais fixer bien les deux. Oui. Alors, le problème, moi, dans mes chutes, j'ai une caisse pleine de chutes et j'oublie toujours, c'est de marquer la taille. Enfin, l'épaisseur, mettre du 2, du 3, du 4 sur mes, malgré que bon, le 4 ça je le reconnais, hein, le 3 aussi, mais quand c'est du 1,5, du 2, du 2,5, là ça devient un peu plus compliqué à voir si c'est la bonne taille, enfin la bonne épaisseur, et j'oublie toujours de le marquer, mais bon. Alors, on a dit 18,9. Je vois plus clair, les filles. Pas bon de vieillir, hein, les yeux, ils tiennent plus le choc. Là, il m'en faut deux, de toute façon. Ah zut. Bon, je recommence, j'ai fait mal mon trait. Je vous dis que je vois plus clair.
Là, bon, le soleil est de l'autre côté maintenant, cet après-midi, donc... Voilà, c'est déjà mieux. Je rappelle, si jamais ça intéresse quelqu'un, il y en a toujours une à vendre, hein, déjà de fait, hein, de commode, celle qui est derrière moi. Je vous la montrerai tout à l'heure. Elle attend toujours une nouvelle maman, si ça vous intéresse. Il y a encore une boîte à clés également, une boîte livre. Vous pouvez les retrouver également dans ma boutique, hein, sur Facebook. Vous avez le lien en barre d'infos. Et dans la boutique, vous retrouvez également les cartes. Des cartes, il y a des bijoux aussi, plusieurs choses qui sont en vente. Ça pour arrondir les fins de mois, mais bon, en ce moment, je les arrondis pas beaucoup. Bon, je sais que c'est difficile pour tout le monde, de toute façon. Surtout en ce moment. Voilà, alors, on va vérifier que c'est bon. Impeccable, je suis trop bonne en le disant moi-même, je suis sûre de ne pas me tromper. On tartine. Thank you.
bientôt fini les carrés. Dites-moi en commentaire ce que vous faites en loisirs créatifs. Certaines, je sais que c'est du diamond painting, de scrap. Mais dites-moi ce que vous faites. J'aimerais bien savoir. Je suis curieuse. Vous êtes comme moi, que vous touchez à pas mal de choses, ou est-ce que vous n'avez qu'un seul hobby? Par contre, c'est peut-être un défaut que je touche à trop de choses, parce que je fais trop de loisirs. Parce que, bon, du coup, j'ai pas le temps de faire tout. Des choses que j'ai fait il y a très longtemps. La mosaïque, par exemple, ça fait un bail que j'en ai pas fait. La fimo, ouais, ça fait quelques mois là que j'en ai pas fait. Mais là, en ce moment, je suis surtout accaparée, donc du coup, par le cartonnage et par le diamond painting. Heureusement, j'arrive encore à faire du scrap un peu entre deux. Comme le tricot. Je me suis commencé un pull avant l'hiver. Du coup, hier soir, je l'avais ressorti parce que je dis, il faudrait peut-être que je me le finisse avant que l'hiver prochain arrive. J'ai pas pu le mettre pour cet hiver, je pourrais le mettre pour l'hiver prochain. Là, j'en avais fait quelques-uns pour mon mari. Il m'en reste un à finir. Il me reste... un, deux, trois. Il ne me reste plus qu'à lui monter. Mais c'est un... Je trouve compliqué parce que j'avais jamais fait avant. C'est avec un col châle. Et le col châle, j'en ai jamais fait avant. Et du coup, j'ai buté là-dessus. Et ça fait... depuis l'hiver, pas cet hiver qui vient de finir, l'hiver d'avant. Donc, vous voyez, ça fait un bout de... Il serait peut-être temps que je monte son gilet. Mon pauvre chouchou, heureusement qu'il en a d'autres.
Il attendrait son gilet pour pas avoir froid. Mais bon, je lui ai fait des pulls. Et j'ai fait quoi? Deux pulls, je crois. Deux ou trois pulls et puis un gilet déjà. Et puis en fin de compte, il aimait presque jamais. Donc. Alors soit il a peur de les abîmer ou ils lui plaisent. Hein, ça, je sais que ça lui plaît. Là, c'est pareil, j'ai projet de me faire un petit truc, un vêtement en couture. Un truc tout simple, hein, je vous rassure, pour pas me prendre la tête. Donc j'ai déjà le tissu, j'ai tout, hein, j'ai le modèle, j'ai le tissu, j'ai plus qu'à m'y mettre. Mais c'est pas du tout compliqué, c'est un truc qui va me prendre quoi, 2 heures à faire, mais encore. Juste que je m'y mette. Voilà. Alors, mes carrés sont finis. Je suis contente. Alors maintenant, il faut que je réfléchisse au dessus. Parce que, alors, pour le dessus, j'ai une. Voilà, il faut que je fasse. Je vous montre. Je vais enlever un peu plus. Non, c'est cher, ça va pas. Voilà. Coucou. Alors, là, je vous ai dit, ça va être. C'est un casier avec le couvercle. Mais donc, du coup, il faut que je fasse ici une bande. Voilà. Et donc, il y a le plancher. Et il faut que je me fixe une bande ici, devant. Sinon, ce ne sera pas fermé. Donc il faut que je prenne les mesures de cette bande parce que ça c'est pareil, c'est pas d'office dans mon premier modèle de commode. Je vous redescends, voilà. Ce que je veux, c'est que ça, ce soit bien droit. Alors j'avais. C'est presque droit. Ouais. Là, c'est bien droit. C'est bon. Et j'ai ça, les équerres niveau. Super ça. Là, je sais plus où je les avais achetés. Action, je crois, non, je vous avais fait une vidéo où j'en avais parlé. Je crois que c'est Action, je les avais trouvés dans le bricolage. Alors il me faut une bande de 38,6 avec une hauteur de 5,5. Une chute. Alors, je vais couper de quel côté là. Je vais prendre ce côté là.
On va éviter de faire tomber le pot de colle. Côté-là, j'ai l'impression qu'il est usé ici au milieu. Donc ça fait un... Comment ? Comme ça. Je sais pas si vous m'avez compris. Ça c'est pareil, hein. C'est une règle qui vient d'action, donc je ne peux pas non plus lui demander de vivre 10 ans. Hein. C'est pour ça, des fois, vaut mieux peut-être mettre un tout petit peu plus cher et puis être tranquille que de voir... acheter un truc à 1 euro et le changer tous les 3 mois. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. C'est parce que c'est au niveau du tissu. Je ne sais pas. Alors, je vais mettre du tissu que sur une face. Je mets du tissu que sur une face. Et... ensuite, il faudra que je colle le reste des parties avec le craft. Ce que j'ai encore foutu avec mes cheveux, moi. Oh là là. Bon. Donc. Dans quel sens il faut que je colle? Sens là, ça va pas. Bon, on va faire dans ce sens là. Hein. J'ai pas le choix. Ouais, on va faire comme ça. Ok.
Allez, on tartine. Non, attendez. Qu'est-ce que je fais comme bêtise? Peut-être que je marque mon tissu d'abord. Je n'ai pas le choix. Voilà. Je peux couper. Tous mes outils après au dissolvant, ou alors même, comme c'est tout frais, ça à l'eau tiède, ça va suffire. Mais quand vous avez de la colle depuis un bon moment sur des outils, et qu'à l'eau ça risque de ne pas suffire, prenez un coton à démaquiller ou un petit bout de chiffon. Et vous mettez du dissolvant dessus et vous frottez vos ciseaux, votre cutter, enfin l'outil qui a de la colle. Et après vous rincez à l'eau tiède et vous n'avez plus de colle sur vos... Ça, faut le faire régulièrement, il ne faut pas laisser la colle sur vos outils parce que après ça coule beaucoup moins bien. Bien dans les coins, bien sur les côtés pour pas que ça se décolle. C'est vrai que cette colle là, il n'y a pas de danger. Hein. Le cartonnage, tant que vous ne le mettez pas dans une pièce humide, ça bouge pas. Une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. La seule fois, éviter la salle de bain et la cuisine. La cuisine où c'est humide aussi hein, quand même, et puis les odeurs, la graisse, c'est pas bon pour le cartonnage. Surtout quand c'est fait en tissu, parce que bon, il y a des cartonnages qui ne sont pas faits en tissu. Hein. Mais moi, bon, je ne les travaille qu'en tissu, j'ai jamais essayé... Encore en papier ou en cuir ou... Oui, j'ai jamais pensé. Dans les clats de verre, ils vendent hein, les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Silverflex, je crois, un nom comme ça. Peut-être un jour j'essaierai, je verrai. Je vais couper un peu ce qui dépasse. Mmh.
mis mon ciseau là. Enfin, je nettoie après. Voilà. Alors, vous avez, excusez-moi, j'avais oublié de rabaisser la caméra, le téléphone. Voilà, j'ai mis le tissu que d'un côté là. Vous avez, du coup, vous n'avez pas vu. Excusez-moi. Je vais me faire en guirlandais parce que j'ai fait du hors-champ. Voilà, donc là, ma colle. Je mets de la colle forte. Pour être sûre, je vais mettre celle-là. Alors, je vais essayer de mettre dans le bon sens pour que vous voyez ce que je fais. Qu'est-ce que j'ai encore oublié? Eh ben oui, dis, t'as oublié. Et ton fond là, tu l'as pas mis. Voilà, je me donne les claques. J'ai oublié le fond du petit tiroir. Oui, du petit tiroir. Je vous jure. Rien de bon, la fille. Des claques, des claques, des claques. Voilà, c'est rien. Ça va être vite corrigé. Comme je dis, tant qu'on le voit à temps, c'est pas un problème. Si vous voyez que vous avez oublié une pièce, mais quand tout est collé, là par contre c'est un peu plus embarrassant. Est-ce que j'ai une chute qui m'irait? Rabaisse, sinon vous allez dire je vois pas. Edith, t'es hors, t'as fait du hors champ, c'est pas bien, t'es vilaine. Oui, je suis une vilaine. Avec ma voix d'outre-tombe là. Oh
bah alors, j'ai un chat dans la gorge. Pourtant, Fifi est en bas. Voilà. Voilà, je pourrais même pas dire de venir le soir bricoler. Pour rattraper un peu le retard, parce que ben là, du coup, le fils à mon mari dort dans mon atelier, sur le lit, là, qui est... Et en plus, lui, il va se coucher de très bonne heure. C'est un enfant handicapé, donc... Enfin, un enfant. C'est plus un enfant, il a... 27 28 ? Entre 27 et 29 ans, je ne sais plus. Désolée, j'ai un trou, je ne sais plus son âge. Mais bon. Il est très jeune dans sa tête, donc voilà. Bon, voilà, j'ai corrigé mon erreur. Allez, je vous remonte. Allez. J'avais oublié cette partie là. Donc voilà, mes trois tiroirs sont faits. Là, je vais mettre quelque chose pour pas que j'ai fait une bêtise là. Je vais corriger ma bêtise tout de suite. Alors, c'est le jour des bêtises, hein, les filles. Mais c'est rien. J'ai bien un tout petit bout de tissu, là. Et là, je ne peux plus décoller, mais bon, ça va. Impeccable. Voilà. Hop. Donc là, le temps que ça sèche, il faut que je mette comme une cale, vous savez, pour pas que ça se déforme, comme je fais d'habitude. On va coller ça avant. Non, j'avais dit avec mon tube de colle.
Donc, je reviens vers vous. Là, la colle, c'est juste pour le dessous, hein. Au-dessus, ça va être fixé avec le papier craft. On va pas me tomber de côté, hein. Le papier avec le tissu, c'est en dessous. Excusez-moi les filles, là, je suis obligée de le prendre un peu devant moi pour que je puisse bien le fixer, bien le mettre. Ça, je peux l'enlever. Et hop, ça fait voilà. Donc maintenant, avant de coller la plaque de devant, je vais m'occuper de mettre le craft. Donc le craft, c'est ça, hein. Rincer mon pinceau. Ah, t'as une puce? J'ai une puce dans mon dos. Voilà. Alors, je vous glisse un peu. Et après, on aura fini pour aujourd'hui parce que après, il faut que j'attende que tout colle. Yeah.
Et là, je fais les arêtes. Il me reste celle d'en haut. Donc ça, la colle. J'ai plein de colle sur mon tapis. Après, il va falloir que j'aille le laver hein, sous la douche. Voir ce que ça donne. Donc voilà. Voir ce que ça donne déjà. Et ici, il faut que je mette pour que ça reste droit. Le temps que ça sèche. Donc pour ça, je vais couper un morceau. Ah bah, celui-là, il va peut-être aller. Attendez. Fois il faut pas grand chose, c'est juste pour que ça soit bien calé, et comme ça quand ça va sécher ben, le carton reste comme je l'ai mis. Voilà. Hop. Et voilà ce que ça donne. Donc il me restera celui-là à mettre ici en haut. Ah, je vais devoir peut-être couper un tout petit peu. Mince. Alors attendez. Ouais, avec le montage du coup. Je coupe le papier.
J'ai l'impression d'avoir un 2 mm. J'ai un 2 mm en tout. Vous voyez, quand je vous le dis que des fois, c'est vraiment presque rien. Mais là, pour couper ça, voilà, oui, c'est vraiment presque rien. Là, on est bon. On est bon. Là, je me suis coupé les ongles avec le cutter. Là, c'est pareil, je mets la colle forte avant. Je coule tout de suite les angles.
Après, je vais devoir le mettre à l'envers pour que ça colle bien. J'ai coupé trop. Là, je vais mettre debout parce que sinon je n'arriverai pas à aller dedans. Allez. Je vais quand même mettre un devant, mais à ras. Ça tienne. Voilà ce que ça donne. Donc là maintenant il va falloir que je laisse bien tout sécher pour pouvoir continuer. Après il faut que je fais, bon, que je coupe ce qui n'est pas bien à niveau. Bon, il n'y a pas grand chose hein, mais ça va aller. Ça va aller. Il faut que je mets, que je prépare toutes mes cartonnettes qui vont aller sur le devant. Et ensuite préparer le couvercle, voilà, et après on attaquera les tiroirs, voilà. Ah bah écoutez, aujourd'hui c'est déjà bien hein. Oh pardon, ça y est, je me disais, j'avais pas encore baillé, vous avez vu, mais ça va hein. Je vous rassure, 4 jours j'ai mis la machine. Et comme par hasard, le technicien de la machine m'a téléphoné pour la clé du sommeil. Il m'a dit, et alors? Oui. Vous n'avez pas mis votre machine? Non. Bon, ça va, il ne m'a rien dit. Je l'ai un peu embobiné. Ça va, il m'a rien. Il m'a trop rien dit. Et il devait faire un rapport au médecin, il m'a dit bon, j'attends une quinzaine de jours et puis comme là je vois que vous le remettez, c'est bien, il fera le rapport au médecin
dans une quinzaine de jours seulement. Donc ça va. Et les Antilles, monsieur. Ouhou, les Antilles, le monsieur. Heureusement qu'il y a du tissu qui va revenir au-dessus. Un truc maintenant, voilà. Ah, je vous jure. Celui-là qui est passé. Donc, ça va. Là aussi. Donc, c'est bon. Donc voilà pour aujourd'hui. En avance, hein, les filles. Regardez. Oui, elle fait, commence à faire son poids. Confirme. Donc, je crois que je mets aussi un là en haut pour que ça tienne bien droit. Est-ce que ça, ça fait... Non, je vais le couper. On a toutes les cales. De toute façon, je vais les garder pour les prochaines commodes si je dois en refaire. On verra. Parce que comme j'avais dit que j'arrêterai certainement... la boutique, puisque plus personne ne viendrait m'acheter des choses, je verrai. Là, c'est toutes les anciennes commandes hein, que je fais en ce moment. Donc, là, je finis cette commande-là, j'en ai encore deux autres, et après c'est terminé, j'en ai plus. Si j'ai... On m'a demandé de faire un nuancier. Et après, c'est fini. J'ai plus d'autres commandes. Terminé. Donc, on verra. Si je continue la boutique ou si je l'arrête. Si je l'arrête, ben... Tant pis, je sais pas. Alors, je coupe la dernière cale. Voilà. Bon. Et ben voilà, ça avance hein, les filles. Voilà. Ça avance, ça avance. Je suis contente. C'est bon. Je suis contente. On va mettre comme ça. Alors oui, du coup, je vous disais... C'est celle-ci. Si quelqu'un est encore intéressé par une commode, donc elle est vide, hein, je m'en sers pas moi. J'ai juste posé là. Je vais juste poser là parce que je la pose quelque part. Voilà, donc celle-ci est toujours en vente. Ah, voilà. Et voilà. On va pleurer comme ça ou comme ça, voilà, donc un peu, voilà. Ah, allez, je prends un petit chausson dedans, je l'ai mis pour pas le perdre, voilà. Et voilà, donc si l'une d'entre vous est intéressée, cette commode est toujours à vendre. Et donc avec il y a encore, je vais vous montrer. Il y a la boîte livre qui est dans le même tissu que la commode. Voilà.
Et il restait une armoire à clé. Voilà, comme ça. Avec son petit tiroir. Donc si vous êtes intéressé, bah, contactez-moi par mon Facebook ou par mon email. Hein, puis je vous donnerai tous les détails. Et puis voilà. Donc ces trois articles-là sont encore en vente donc dans la boutique. J'aimerais bien qu'ils partent. Parce que là, c'est embêtant. En plus, ils restent dans ma pièce. Bon, ça ne s'abîme pas, mais bon, à la longue, on ne sait jamais. Donc voilà. Donc, si vous êtes intéressé, ben, faites-le moi savoir. Sinon, ben voilà pour aujourd'hui. Hein, on a fini. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue. Je pense que si. Et on se retrouve donc rapidement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures et plein de nouvelles choses. Comme d'habitude. Allez, je vous fais plein de gros bisous et faites bien attention à vous, comme d'habitude aussi. Hein, je compte sur vous. Et on se retrouve rapidement. À bientôt. Bisous, bisous. Je vous embrasse.